Franchement, bravo. Ça a l'air au top. Si on veut innover au service de l'eau, il faut être pro. C'est ce qu'on s'est dit, non? Nouvelle étape, nouveaux outils. Je peux l'essayer? Et comment? Et t'as vu, j'ai mis des boutons. Alors ça, celui-là, c'est pour te... C'est un système de vapeur. Ok. Alors ça, ça te permet de te frotter. Et celui-là, c'est quoi? Non, ne touche pas à ce bouton, tu te barres. Barre-toi, Léa, ce type est un taré. Barre-toi, je te dis, t'es un grand malade. Voilà, bon, bah ça, c'est le truyomètre, c'est un radar de danger, c'est pas encore très au point. Peut-être si je monte le volume, puis ou plus je le descends. Mais c'est quoi, ça? C'est compliqué. À la base, c'est ça. Une palourde? Ouais. Bah non, je suis pas une palourde, enfin, j'ai l'air d'une palourde. Ah pardon, je suis désolée, mais moi j'y connais rien aux fruits de mer. Igor est un de nos plus précieux bio-indicateurs qui vit en eau douce. Bio-indicateur? Une partie du système de surveillance des eaux repose sur l'étude d'Igor et de ses nombreux copains. Les diatomées, les invertébrés, la qualité des eaux dans laquelle ils évoluent s'exprime à travers ce qu'ils ont à nous dire. Ah ok, alors là je commence à comprendre. Par contre, ça m'explique pas pourquoi Igor l'indique et en chair et en slip. J'ai pensé qu'en lui donnant forme humaine, ça faciliterait une communication plus fluide. Et? Échec total, il se ferme comme une huître dès qu'on aborde le sujet. Non mais une huître, non mais ça va, oh. Je peux essayer? Si tu veux. Je vous le répète, Igor, on a quadrillé tout le territoire. Aucun cours d'eau n'échappe à notre surveillance. Quoi qu'il arrive, les infos, on les a. Bah oui, ça je sais, parce que j'en suis pour quelque chose, c'est moi qui vous les donne. Exactement. Et comment vous les trouvez, ces infos? Mais dans l'eau, ma chère. Ça fait 20 fois que je vous le dis. Exact. Vous connaissez le milieu mieux que personne. Sans vous, la surveillance des eaux n'est pas aussi efficace. Ah, vous me flattez. Mais vous savez, moi, sans eau, je ne suis rien. Alors pourquoi arrêter subitement d'être ce bio-indicateur dont tout le monde a besoin? Ah, vous savez, la vie ne tient parfois qu'à un slip. Ma vie normale, à moi, elle est dans le plus simple appareil balayé par le courant. Depuis que je suis ici, je déprime, je ne suis plus moi-même. Mais pourquoi? Léa, je suis un bio-indicateur. Bio comme vivant, dans son environnement. Pas dans le vôtre, si vous voulez que je fasse mon job. Je crois que je commence à comprendre. Ça y est, j'ai l'info. Je le savais, je suis Angélie. Alors, qu'est-ce qui a marché? Le bouillot fort, le truyomètre? Le bon sens, Max. Le bon sens. Remets-le à l'eau. Remets-le juste à l'eau.